Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons à la queue en tire-bouchon. Ils habitaient dans la forêt avec leur maman. Un jour elle leur dit: Voilà grand maintenant, partez chacun de votre côté et construisez votre propre maison. Mais faites-la solide, car le grand méchant loup n'attend qu'une occasion pour vous croquer. Les trois petits cochons firent leur baluchon et s'en allèrent. Le premier petit cochon, sans penser au danger, fit une maison en paille. Le deuxième petit cochon construisit sa maison en bois. Pim, pam, il assembla les planches et les cloua. Lui non plus ne craignait pas le loup. Le troisième petit cochon bâtit sa maison en pierre et en ciment. Il lui ajouta un toit de tuiles et une porte en bois. Il avait une maison très solide. Il était tout heureux d'avoir si bien travaillé. Voilà les trois maisons. En paille, en bois, en pierre. Le loup apprit que les trois petits cochons s'étaient installés dans la région. Un beau jour, il vint les voir pour les croquer. Les trois petits cochons, terrorisés, coururent s'enfermer dans leur maison. Le loup frappa d'abord à la porte de la maison en paille. Il fit le gentil en disant: Bonjour, petit cochon, puis-je entrer, s'il te plaît? Sûrement pas, répondit le petit cochon. Ouvre! Cria le loup. Pour toute réponse, le petit cochon ferma le verrou de sa porte. Tu l'auras voulu, hurla le loup. Je vais souffler si fort sur ta maison que la paille s'envolera. À ce moment-là, je te mangerai. Le loup souffla si fort sur la maison que toute la paille s'envola. Terrifié, le petit cochon se sauva. Il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison de bois. Son frère l'avait vu venir. Vite, vite, il le fit entrer. Il referma la porte au nez du loup. Ouvre la porte! Cria le loup. Sûrement pas! répondit le petit cochon. Tu l'auras voulu! hurla le loup. Je vais souffler si fort sur ta maison que les planches s'effondreront. À ce moment-là, je te croquerai. Le loup souffla si fort sur la maison de bois qu'elle tomba par terre. Les deux petits cochons coururent de toutes leurs forces jusqu'à la maison en pierre. Leur frère les vit entrer et il referma vite la porte. Le loup, essoufflé, ne put les rattraper. Quand il arriva à la maison en pierre, les petits cochons étaient bien à l'abri. Ouvre la porte! cria le loup. Sûrement pas, répondit le petit cochon. Bon, hurla le loup, je vais souffler si fort sur ta maison qu'elle s'écroulera. À ce moment-là, je vous mangerai tous les trois. Le loup souffla. Souffla, souffla. Rien ne bougea. La maison en pierre était solide et le petit cochon riait derrière sa fenêtre. Eh bien, vous l'aurez voulu. Je vais monter sur le toit et passer par la cheminée, cria le loup. À ces mots, les trois petits cochons se précipitèrent sur les bûches pour allumer un feu dans la cheminée. Pendant ce temps, le grand méchant loup installa une échelle contre le mur et grimpa sur le toit. Une fois là-haut, il se laissa glisser dans la cheminée.
Au secours, je brûle ! Cria-t-il. La queue en flamme, le loup remonta par la cheminée en hurlant de douleur. Aïe, 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 aïe ! Il s'enfuit dans la forêt pour ne plus jamais revenir. Ha, ha, ha ! Les trois petits cochons riaient aux éclats. Alors, se tenant par la patte, ils dansèrent la ronde. Les trois petits cochons ne voulurent plus se séparer et ils vécurent tous les trois très heureux dans la maison en pierre. Et voilà, une histoire qui se finit bien. Au revoir.